Bonjour les voileux, les futurs voileux, les voileuses, les futures voileuses, tous ceux qui profitent des paysages ou qui préparent leur tour du monde, et tous les autres. Allez, cette semaine, on vous amène faire un petit tour. Là, on a fait un petit, vous savez, on a fait le guide de Grenade, donc on était pas mal occupé, on n'a pas fait beaucoup de voile, mais on a quand même fait Grenade Cariacou là où on est. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Petite chose amusante, hein, vous allez voir, on a eu des pluies diluviennes sur Grenade pendant, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie, pendant 48 heures, comme un gros orage en France qui ne s'arrête jamais. C'est impressionnant, j'ai vidé l'annexe, donc une annexe, ça prend de l'eau quand même, hein, j'ai vidé l'annexe sans interruption toutes les 3 heures. Au bout d'un moment, je l'ai mise, je l'ai pendue, mais un truc de fou, hein, pour remplir une annexe en 3 heures, il faut que ça tombe. Donc voilà, et du coup, on a découvert des petits loups sur le bateau, on a découvert que on avait une petite entrée d'eau, donc je sais pas trop où, et surtout, on vous rappelait qu'il y avait eu de l'eau dans le gasoil, il en restait, donc j'avais pas vidé la cuve à gasoil. Donc là, je vais vous monter un petit truc, puisqu'on a failli faire une panne moteur en pleine traversée. Je vais vous montrer un petit truc, pareil, un petit truc technique là qui est sympa, que peut-être certains connaissent, mais beaucoup je pense ne connaissent pas. Et puis voilà, donc voilà, petite traversée sur Cariacou. Allez, je vous en dis pas plus, c'est parti. Salut les copains. Bon, il était prévu d'aller au Grenadine aujourd'hui, mais là on se croirait un petit peu en Bretagne, quoi. Hein. Je déconne les Bretons. Hein. Alors là, on va faire un vote à main levée qui est pour reporter ça à demain. Ok, on est tous d'accord. Donc je pense qu'on va reporter notre jolie petite nave de 6 heures sous la pluie. Hein. On va faire autre chose. On va aller boire un café, manger une pizza, mais on va peut-être pas se taper 6 heures de nave là-dessus. Ils avaient annoncé qu'il allait pouvoir, mais on ne sait pas que c'était de la vraie pluie qui mouille, quoi. Putain, puis c'est noir de partout. Hein. Comme quoi les Antilles, hein, c'est pas toujours l'idée qu'on en a. Quoi. Bon les copains, écoutez, on est bien travers la vague, donc ça roule pas. La pluie s'est enfin arrêtée, donc ça c'est du bonheur absolu. Petite soirée tranquille, hein, comme tu peux le voir, le soleil se couche sur Grenade. Petit mouillage tranquillou, donc ça c'est le mouillage de Grand Anse. Alors en plus on a de la chance dans notre malheur, enfin on a de la chance et de la moins bonne chance, mais bon, demain je vais vous montrer ça sur le fichier météo, on a une petite bascule de vent, enfin bascule, 15 degrés, ce qui va faire que normalement on va pouvoir faire un bord de pré-serré qui va nous amener jusqu'à Cariacou. Donc on a retardé à cause de la pluie parce que je vais quand même taper 6 heures sous la flotte. Donc au lieu d'être au pré genre 30 degrés du vent, j'espère qu'on va faire un pré à 60, ce qui serait plutôt pas mal. Le côté moins bon, c'est que hier et aujourd'hui, on aurait eu une bascule de courant qui nous aurait amené vers l'est, et Cariacou est à l'est, donc on aurait profité du courant pour nous ramener sur le vent et l'avoir plus facile. Et demain, la bascule de courant, elle est super tard, elle est à partir de 16h. Et je ne vais pas la prendre à 16h parce que je vais arriver de jour. Quand on sera là au bout de l'île, il y aura 15 000 à faire. Donc bon, on va se battre un petit peu avec le courant. On verra ce qui valait mieux, s'il valait mieux partir comme j'ai déjà fait avec un bord de 80 degrés. On verra s'il valait mieux prendre l'option très près du vent et le courant porteur, ou 60 degrés du vent avec un courant un peu moins porteur. Ce que je compte faire, c'est même peut-être pas tirer tout droit sur l'île, mais tirer un petit peu au large et au dernier moment, s'il faut faire 2000 au moteur en revenant tranquillou dans le sens. Donc voilà les copains, on va se retrouver, pour vous c'est la vidéo du dimanche, mais on n'est pas encore dimanche, on va se retrouver gentiment sur Cariacou, on va commencer à faire nos guides des Grenadines gentiment, et normalement on devrait voir, alors si on a de la chance avec les météos, on devrait voir les Grenadines
en dehors de la période très touristique et si possible avec une belle luminosité, ce qui va permettre d'avoir des vidéos et des images assez superbes pour vous et pour les guides. Allez, à plus. Alors ouais, là si tu regardes, tu vois, on est jeudi, donc là je suis en petit écran, hein, donc Grenade ici, le chenal qui est là entre les îles, donc là t'as un vent, il nous dit 20 degrés, hein, il nous dit 20 nœuds, donc 18 nœuds qui viennent du 79, donc si tu défiles dans le temps, il nous dit que vendredi dans la journée, voilà, il va tourner au 102, dans la matinée, et il reste comme ça jusqu'à 14h et 17h, il tourne de l'autre côté. Sur ta carte des courants, ici il y a une inversion du courant, donc le courant pousse toujours dans ce sens là, et hier j'avais le courant, donc je n'ai pas les courants là-dessus, dans l'autre sens qui allait bien, et donc on a pris le pari de partir avec un meilleur vent et un plus mauvais courant, et donc je suis en train de faire la vidéo, on vient d'arriver, et ben c'était une connerie, vaut mieux partir avec un bon courant parce qu'on s'est fait chier comme des Russes. Je sais pas si les Russes se font chier, mais bon. Bon, petite nave qui commence par une petite surprise, on vient de trouver la cale moteur avec un mix d'eau et petits résidus de gasoil sous l'arbre. Bon, je viens de nettoyer. Or, comme on vient d'avoir 3 jours de pluie diluvienne, je sais pas, là on est en pleine nave, hein. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai nettoyé vite fait, hein. Donc tu peux voir ici en bas, il y a un petit peu d'eau. Alors je sais pas si j'ai pas une entrée d'eau quelque part. Dû aux pluies diluviennes qu'il y a eu, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, faut dire qu'il a plu 48 heures non-stop, comme l'un des plus gros orages que tu vois en France, quoi, hein. Donc là, c'est assez impressionnant. Donc je sais pas trop, mais bon, petite frayeur quand même, hein. Tu pars, tu sens un peu le gasoil, tu vas, tu ouvres la trappe et là tu dis oula, qu'est-ce qui se passe. Bref, bon, sinon à part ça, on y est, quoi, hein. Ça y est, c'est parti. On quitte gentiment. Gentiment Grenade avec un vent de travers, avance pas trop, il y a 7 nœuds de vent, on fait 4 nœuds et demi, c'est pas la mort à boire. Mais bon, c'est tranquille, c'est toujours pas du moteur le long de la côte, donc c'est toujours ça d'économiser, vous connaissez mon goût pour le moteur. Bon allez, on se retrouve dans le chenal, on va voir comment ça se passe. Gare classique avec le vent des îles, hein. On est sur la pointe de Grenade avant le point du volcan submergé là, et on est en train de ça tourbillonne, donc on n'arrive pas à tenir un cap réel parce que un coup le vent vient du 30, un coup il vient du 70, un coup il vient du 90, on fait une vitesse de minable là, 2,5, mais bon, j'ai coupé un peu tôt le moteur, hein. Mais on peut voir tranquillement les îles, regardez. Donc voilà, on attend que ça finisse de tourbillonner et qu'on touche le vent réel. Et puis on a sorti la ligne, mais bon, les sargasses sont bien dans le coin. Alors dans le sud de Grenade, il n'y a pas trop de sargasses, hein, pas d'odeur, pas quoi que ce soit, donc c'est vachement plaisant. Puis là, on est en train de rattaquer le chenal et là, on va se faire taper. Donc voilà, allez, 3 petites heures, je pense, pour arriver le courant nous fait pas faux bond et que le vent est... Et bien comme sur les fichiers Grib, on va voir. Bon, un bord de pré optimisé à son max, donc si on regarde, donc là si tu veux, la bombe dépasse pas le centre de l'axe, tu vois, l'axe est ici. Par contre, mon chariot est bien remonté, l'axe serait là, ce qui veut dire qu'on arrive à garder dans la tête de la grand voile pratiquement pas de fassaillement. Je vais te montrer ça. Tu vois qu'il y a un léger fassaillement le long du guidon, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'abatte certainement d'un ou deux degrés, mais bon, là le pilote joue un peu. Et derrière, on est sur un génois avec un chariot qui est reculé au maximum, comme tu peux le voir, pas au maximum, mais pas mal. Un génois qui est super aplati, hein. Donc voilà, et là, on est en train de tirer un bord à 45 degrés de vent. Voilà, ça tire, hein. Et on a 14 nœuds de vent et on fait 5, 5,2,
4.9, sachant qu'on a un courant qui nous amène à l'est de l'autre côté. Mais bon, ça nous permet de maintenir le cap sur là où on veut. Donc là, on lui tire dans la gueule à Toto. Hein. Ouais, et le truc en plus, c'est que, alors, je sais pas si tu m'entends, mais là, dans un cas comme ça, vaut mieux prendre la barre parce que t'es plus fin que le pilote, tu joues mieux avec les vagues, donc forcément, sur un bord de près, tu vas garder, puisque plus tu fais ça avec ta barre, hein, plus tu ralentis ton bateau, donc il faut essayer de la caler et que ça bouge pas trop, et là, forcément, tu vas garder de la vitesse, et du coup, tu vas améliorer ton pré. Donc là, les gars, quand vous avez, bon, pas pendant 6 heures, hein, mais... quand tu fais de l'interheal comme ça et que tu as 3 heures à faire, des fois c'est vrai que c'est chiant de barrer, mais tu vas gagner à l'arrivée peut-être une heure à pas tirer un bord. Donc voilà. Bon, petit souci, on a encore, forcément j'ai pas vidé ma cuve de gasoil, on a encore de l'eau dans le gasoil, on a fait une semi-panne moteur, et là je me rends compte que mon séparateur se remplit. C'est une petite astuce, ça se vide tout en laissant tourner le moteur, je vais vous montrer. Alors les armes secrètes. Ouais, il faut que tu prennes un conteneur qui passe sous ton bol à gasoil, hein, ton séparateur. Alors là, celui-là, il est un poil grand, il passe juste. Mais bon, l'idée, c'est ça, quoi. Hein. Bon, je suis désolé pour la lumière, là, gars, mais je suis en live, là. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Donc voilà l'histoire, si tu mets ton bol dessous, tu ouvres la vis tranquillement et comme tu peux le voir, ça pisse et ton moteur ne cale pas. Donc ça permet, alors si tu ouvres comme un mulet, forcément ça va caler, il faut trouver le bon dosage. Là tu l'entends, hein, il ralentit dans les tours si tu vois qu'il manque de gasoil. Mais la pompe, elle envoie à fond, ton circuit de gasoil il est sous pression, donc là ça te permet d'enlever, je l'ai fait une première fois, donc mais j'étais pas en live parce que là j'étais en urgence, le séparateur il était pratiquement plein d'eau, jura la gueule jusqu'en haut, et ça a vidé gentiment jusqu'en bas, donc il n'y a pas de souci avec ça. Bon, le mieux c'est de pas avoir d'eau là-dedans, mais bon, c'est où je foutais 200 litres de gasoil en l'air, où je gérais la chose, et les économies c'est des économies, donc on essaie de pas foutre 200 euros en l'air quand on sait combien j'ai. Voilà, et comme tu peux le voir, tu vides sans caler. Bon, c'est du système D jusqu'au prochain mouillage, mais bon, ça marche. Allez, c'est ça les joies de la voile. Allez, petite arrivée à la tombée de la nuit, hein, on s'est pas mal battu avec les courants comme tu peux le voir. Donc ça c'est la baie du sud de Carriacou, toute tranquille avec un petit coucher de soleil qui vient nous voir. Il faut faire attention en mouillant, hein. Il y a un haut fond d'un côté et une épave de l'autre. Demain matin, je vous montrerai le balisage de l'épave, vous allez voir, c'est folklorique, ils ont gardé les couleurs, mais bon, le soleil est quand même pas mal passé dessus. Ouais, comme je te le disais, regarde, donc ça, c'est le mouillage 8 jours, hein. On se balade tranquillement, donc tout à fait à gauche, là-bas, il y a un chantier... difficile à voir, mais bon, vous aurez ça sur les guides, hein, vous inquiétez pas. Ah, il est tout à fait au bout là-bas. Et si tu regardes, donc à la gauche, là, il y a un au fond. Et puis juste ici, la bouée que tu vois là, hein, faut la voir vraiment. Ça, c'est une épave qui a été signalée comme ça. Et ouais, c'est ça les Antilles. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Si elle t'a pas plu, ben, laisse-nous un commentaire et Nidou. Ce qui t'a pas plu. Semaine prochaine, on va rester dans le coin. Des petites vidéos techniques qui arrivent là, notamment une mardi sur mais qu'est-ce qui se passe si le moteur ne démarre pas et tu fais quoi là. Donc on va quand même vous donner une astuce là-dessus. On m'a demandé, c'était pas du tout dans le planning, mais comme vous le savez, j'essaie de répondre au plus possible aux sollicitations de mes Patreons. On m'a redemandé une vidéo sur la météo pour réexpliquer bien la lecture des fichiers, la flèche, les gribes, etc. Donc
C'est vrai que je suis assez volubile, je parle assez vite et je bouffe mes mots, donc c'est peut-être pas évident de suivre tout ce que je raconte. Donc je vais en refaire une. Et puis j'ai aussi des petits protégés là que je suis qui m'ont dit: bon Steph, nous on est toujours en train de se préparer, mais le gros temps, comment tu fais, comment ça se passe, t'as fait une vidéo, elle était super, mais j'ai encore des doutes, et donc je vais refaire une vidéo sur le gros temps. Bon, d'une, je pense que c'est un chapitre qui intéresse tout le monde, donc autant en faire. Et puis donc on va se refaire une vidéo là-dessus sur le gros temps. Donc dans le temps, mardi sur qu'est-ce qui se passe si ça démarre pas. Jeudi, petit rappel donc de nouveau de la météo avant de faire le gros temps. Et mardi de la semaine d'après, on se fera une vidéo sur le gros temps. Donc voilà les copains, et puis nous on va continuer à remonter d'île en île, donc on va vous en faire profiter. Et puis là il y avait du courant et tout, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Et puis on va se faire ces guides en espérant que la météo va être clémente et qu'on pourra faire de belles images, parce que c'est assez gris et chargé. Allez, bisous, ciao ciao, à la semaine prochaine.